Bonjour, de retour sur Kenshi, on continue notre aventure avec une petite colonie qui s'étend, qui s'installe correctement. En train de faire la petite porte. Alors. Qu'est-ce que tu fais? Ça pourrait être bien que tu ailles nous ramener hein, des nouveaux copains. Bon, toi, tu devais aller vendre du matos qu'on avait chopé. Pour les ninjas là qui nous ont attaqué. On a tout ça, c'est que. On n'a pas de bestiaux pour le transport encore. C'est fort dommage. On se débrouille comme on peut. Mais ça là-haut, j'avais même pas fait gaffe. Faudra aller jeter un œil, c'est quelque chose d'intéressant. Ah, des plaques de fer, engrenage. Il y a quelque chose ici qui est intéressant. Ouais, bon là pour le moment on va aller vendre là-haut le truc. Alors vis-à-vis de la vente à l'avant-poste, l'entrée de la porte est pas top, on est d'accord. Vis-à-vis à ce que je voulais faire, ça ira quand même. Ouais, c'est la colline que la comptabilité. Allez, on fonce, hein. Petite nuit. L'avantage c'est que les armes c'est pas très lourd. Alors les cuistots, ça taffe. On mettra peut-être un truc de juste à côté de lui. Hop. Là ça frite ici. On va arriver, c'est la fête. La fête avec qui? Bandit des poussières. Écoute, on va laisser les gardes jouer un peu avec. Ah, peut-être un peu de stuff à les récupérer, de toute façon, on va déjà se débarrasser. Justement, si on peut looter gentiment ce qu'il y a dessus. Hop. On va direct au mec à côté. Putain. C'était pratique du truc. Boum, boum, boum. Et un petit peu de palme en plus. Putain. Choper là-haut. Le fouiller là. Non, le fouiller. Un autre là. Là-bas, contre. Là, il y a rien. Descendre un niveau. On va vendre directement. Il y a. Ah. Puis celui-là. Et où j'ai mis? Reste en haut, mais pourquoi tu y restes en haut? Descends. Elle est buggée. Non, vraiment? Vraiment, t'es bugué? Ça se fait qu'elle est buggée. Voilà,
143 balles, petites armes. Déjà fait un petit peu en vendant loot. Est-ce qu'on peut les fouiller celui-là? On peut. Personne. Ça au final ça fait pas grand chose. L'arme vaut. Un petit peu. Ah, il est pas mal celui-là. Table, c'est petite affaire, on s'est débarrassé de toutes les lames qu'on avait chopées sur les ninjas et en plus on arrive au moment de la bagarre. Et encore du loot un peu en plus. Directement sur place, moi je trouve ça plutôt intéressant. Celui-là, il est déjà pillé. Là. Et hop, je pense qu'il y voit un peu de pognon. Si. Quand même vachement rentable. On n'a rien fait. On se fait du blé tranquille. Oui. Quel monde de peuple. Hein. Hop. Hein. Il a bientôt plus. Prêt. En marchant. Est-ce qu'il y en a encore ici à looter? Réveille, tu vas cribler. Bon, lui, te réveiller, toi. Ça pardonne pas, hein. Disons. Disons les armes TMK2, quand même. Alors, qui on n'a pas fouillé ici? Qui a encore une arme sur lui? Voilà. Il y a une arbalète. Du blé. Hop. Fait. Lui. Après 156. Petit dernier qui est là, garde vite fait et puis on attend. C'est ça qui se vend le mieux. Voilà. Par contre ça, c'est vachement bien ça. 1475 de prix de vente. 118. 124. C'est dégueu. 90, ça va, dégage. Changer, ça là. Que je peux pas différent. 50 trucs. Alors tu vas pas te mettre. Voilà. Comme ça on sera bien. On se débarrasse de ça. On rentre à la maison, on chope un peu de bouffe. Alors lui, normalement, il vend le plan d'arbalète, un truc comme ça.
ça, il me semblait. Ou pas. Est-ce qu'on fait, on achète un peu de plantes, de livres? Ah, il y a du cuir. Ça nous coûte un peu cher. Les livres surtout. Hop. Cours, cours, petite. 117 athlétisme. C'est quoi ces malus? Le poids, c'est quoi? Blessure. Ah, oh, blessure. Quasi rien. T'exagères. J'ai oublié d'acheter la bouffe. Ouais, bah, il y a des machins là. Ça ira comme ça. Hop. Déposer les bouquins. Voir si on peut faire un peu de recherche. Il nous reste un vieux livre. Parce que les. Il me reste encore des armes avant. Ça, tout ça avant. Ça, c'est peut-être un truc. C'est un truc qui vient de crafter, mais c'est dégueulasse. Donc, on va le vendre. Celui-là, c'est lui qui l'a crafté. Mais c'est dégueulasse aussi. Il s'entraîne. Du coup, il a déposé. Non, bah lui. Alors, on va la laisser de côté. On ne le vend pas. Est-ce qu'il a craft quelque chose de propre? Quelque chose d'autre de propre pour. Non. On relance tout de suite, voir s'il peut nous faire d'autres crafts. Top, top, top. Il est déjà en train de faire d'autres épées. Vas-y, une autre en plus. Ouais, tu veux aller vendre encore là-haut. Ah, ça frite. Qui c'est? Eh? Qui c'est qui? On dit chasseur tech. Bah, chasseur tech, c'est pas eux qui attaquent. Bandit des poussières. Hein, c'est intéressant. Ouais, déjà deux à terre. Le mec. Ça améliorait un peu là parce que. Un peu plus costaud que les affamés, mais quand même quoi, faut gérer les gars. Joyaux. Là, tiens, on va retirer les armes. Tiens. Tire ça. Petite arbalète. Est-ce qu'il nous intéresse, mais c'est le prix de montant. Ok. Et toi? Toi, t'es déjà full de matos. Là, t'avais pas vidé tes poches, toi. Très bien. Ces petits bandits quand même. Du coup ça bon, truc à voir.
chef. Ah, c'est le chef. Le chef, il a peut-être potentiel quelque chose d'intéressant. Ça se fait, hein. Voilà. Ok. Du coup, bah, soignez tout le monde, hein. Rien de grave, pas de mort perdu. Tout va bien. Inouï. Ça va bien aussi. Voilà. Tout le monde se soigne. Alors, ils ont construit justement la machine pour les cadavres. Donc ça c'est bien, ça permet de nettoyer un peu la zone. On va attribuer un newbie à ça. Hop. Comme ça, ils trouvent les cadavres. Et ils brûlent. Il se balade avec un cadavre, tant qu'à faire. Dans la base, hein, et des mouches. Alors, les humis, c'est bon, t'es réparé? On dort un peu plus. Le ventre est encore un peu blessé. Dormez, les gars, dormez. Mettez-vous bien. Dans des lits, profitez-en. Dormez correctement. Il y a des super lits qui soignent super vite, donc allez-y. Alors ils ont fini de construire un petit truc. Alors plus qu'à foutre. Il y en a qui se barrent. On n'aura plus qu'à mettre des arbalètes. D'ailleurs, est-ce que la recherche a été faite? Il va falloir créer justement quelques tourelles pour entraîner des mecs au tir. Rien bug, pourquoi ça me... Déjà fait tout à l'heure. J'avais aucune raison. Défense, ils ont arbalète montée et on a notre plomb. Apprentissage. Qui ça? Oh, ça, ça m'intéresse. Justement, on veut ça depuis un moment. Limite du but. On va parler vite, vite à notre copain. On a 15 000 balles. Justement, on veut des animaux, oui, mais on veut justement, on en veut. Nickel, alors, par contre, les prix. Alors, il y a un chien dur. Ouais. Alors, les taureaux, j'ai jamais trop utilisé les taureaux. Je sais pas si c'est intéressant. Ils sont que des gamins. On peut, de base, ah, bah, j'aime bien, ils sont efficaces. 6, 5, 6, on s'attaque, mais les 5. On va prendre.
chien, je suis pas plus fan que ça, tout petit, tout jeune. Allez, on va faire des dépenses. On va prendre déjà. Alors je sais même pas s'ils peuvent se reproduire, j'ai jamais vu, hein, très honnêtement. On prend 2, on fait déjà 9 big balles. On pourrait prendre le chien. Un taureau. Je suis pas sûr, hein, franchement, pas sûr du tout. Est-ce qu'ils me les fournissent avec les sacs d'ailleurs? Sacs de transport, c'est possible, je sais plus trop. Deux de transport, ça me suffirait déjà pas mal. Ça se bat bien aussi. Par contre, il faut qu'ils grandissent. Allez, hop. Voilà. Les bêtes de somme. Bien dit. Donc, il faut qu'ils s'entraînent en athlétisme. Pareil que les autres. Alors l'idéal, moi, que j'aime bien pour les faire s'entraîner, c'est de leur attribuer, à demander de suivre les mineurs. Et comme ça, ils montent en même temps leur athlétisme. Par exemple, pour demander de suivre Stone. Et l'autre, on va lui demander de suivre... C'est qui le... Dirt? C'est Dirt. Tu dirt. Toi, je sais pas, tu veux suivre qui fait du fer là. C'est bon, déjà t'acheter des amis. Pas non plus. Mais pour le moment, on va le mettre sur les deux mineurs. Hop, voilà. Ça a l'air d'être dirt qui a l'air de bouger. Pour vider le truc. Voilà. Ça, dès que ça va bouger, non, je vais suivre. Ouais, ils vont suivre Dirt. Ça va faire pex un peu leur athlétisme. Et quand ils sont un peu pex, là, on les emmènera pour vendre. Et pour le moment, ouais, ils ont bien les sacs à dos. Donc déjà, ça peut porter. Faut juste qu'ils s'améliorent un peu. Allez, hop. Ouais, c'est bon, ouais, maintenant vous êtes soigné. Là c'est 3 points non plus. Vous soignez beaucoup, c'est bien. Après, par la guerre. Fade, ça pourrait être pas mal que tu tiens un peu. Alors bon, toi tu vas repartir faire du business hein, comme c'était prévu. Tu vas nous vendre tout petit stuff. C'est bien ça, là. Tu peux aller les animaux. Google. Allez, cours. Hop là. Des sous à faire. Dépenser plein de sous là. En parlant de ça. Bandit dans 3 jours. Bandit des poussières. On a encore nos mercenaires pour 4 jours. Hop. Alors, ils ont dû refaire un peu de pognon. Va se faire choper. Hein. Hop.
Alors, il faut les nourrir, hein, bien sûr. C'est des bouches en plus, hein. Il a commencé à construire le champ? Ouais, c'est bon. Il va falloir l'attribuer qui taffe dessus. C'est ces deux-là, c'est ça. Descendre. De pierre. Calme, je prie. Voilà, comme ça fait. On en fait déjà quelques fermes à s'occuper quand même. De la flotte. Alors, dépose peut-être la viande, comme ça, tout le monde pourra aller se nourrir ici. Je vais refaire encore des allers-retours, ma grande. Ça c'est une gars qui a tiens briqué par un coup. Qu'ils soient un peu grands, qu'on puisse les épaisser un peu, qu'on puisse les utiliser pour transporter, ça évitera de faire ça pour le voyage quoi. C'est bon, bleu, si, bleu. Aïe, aïe. Toi, tu continues. Si. C'est qui vous suivez déjà? C'est Kikeku là machin? Oh bah c'est Kikeku. Je pense pas Kikeku. J'ai qui? Rien du coup. Pas joyeux. Ah oui, je n'avais pas paramétré totalement. C'est juste que je les avais juste mis dans le deck. My bad. Bad, my bad. Et c'était sur la dirt. Je vais paramétrer un par un. Oh, la multi-sélection donnée. Pas grave. Ça, ils vont le suivre tout le temps. Hop. Alors. Viens avant ici, ma grande. D'ici pour changer. L'avantage c'est que je la mets en tâche, hop, elle rentre toute seule à la maison truc. Donc c'est quand même plus cool. Ils vont me pack tranquillement. Et hop, ils font des allers-retours avec Dirt qui va déposer à chaque fois le cuivre dans la caisse. Et lui aussi s'entraîne en athlétisme. Mais ça va bien les faire packs. Et quand il va manger, bah ils vont aller manger en même temps. Parti à la bouffe. Une question, ah bah t'as été moins rapide. Vas-y, fais de la recherche.
Oh, t'en es où, Skinner? Avec tes combien? 26 fabrication d'armes. Donc, du coup, bientôt, il va pouvoir nous faire des armes un peu sympas. Niveau qualité. Normalement. Même si c'est que des sabres machin basiques. Il va pouvoir taffer un peu. Faire quoi déjà? On n'a pas acheté de plan. Hein. Il doit rien avoir. Non. Il doit rien avoir de très intéressant. On donne à... Bon, il n'y a que de la merde. Chemise lag, pas glue qu'on peut faire. De merde. J'achète pas des plans, ça sert à rien. J'achète du tissu. En parlant de tissu, c'est ça que j'ai réfléchi tout à l'heure. J'ai pas fait. Là, on a pour le cuir, on a fait stockage pour animal, on a un stockage cuir, et on n'a pas de stockage tissu. Donc, on a produit du champ, on produit du tissu, mais on n'a pas le stockage. Donc, il faut un stockage tissu aussi. Il faut un stockage pour chaque truc. Chambre en là, voilà, coffre à tissu. Voilà, comme ça ils pourront stocker là et puis ils pourront continuer à transformer le chambre en tissu. Et quand on voudra faire des armées, bah, on aura notre petit stock de tissu. Voilà, d'ailleurs, je sais même pas qui c'est qui a attribué ça. Laisser faire un peu de recherche. Là, t'as fini la recherche? Ton but, eh ben écoute, on va voir comment retourner à Skinner. Qu'est-ce que tu fais, bonhomme? Descendu, t'as déjà tout crafté. Vraiment, non, si t'as tout crafté. Bah écoute, fais-nous quelques petites lames de ninja. Oh, il y a du pain, du coup on va changer, on va passer en hop, poussière, qui a du pain dispo. Et bah tu trouveras des cactus. Il n'y a plus de cactus. Oh, il y a du chanvre. Pour ça il faut transformer en tissu. Le chanvre, on a deux champs, mais c'est beaucoup déjà. Hop, upgrade. Ça, dès qu'ils ont les ressources, avant ça, on l'utilise. Après, avec 3 champs, on sera bien niveau farine. Pas 50 000 hein, pour le moment. Bon, ça le fait. Hein. Alors, Izumi, la grande, du boulot encore. Ah, elle nous a crafté de nouveau 900 balles, vous voyez, ça nous rend plutôt bien. Hein. Des armes, même de merde. Donc, dès qu'elles seront un peu de qualité, un peu intéressante. Ça c'est la sienne hein, qui a posé. Hop. Et les armures, pareil. On va vider un peu tout ça. Oui, on peut, il y a quand même moyen de faire un peu de pognon avec, avec les loot. Forcément tout prendre, mais faire un peu de... Un peu de... Alors ça m'ennuie qu'elle trouve une brèche comme ça, passer. Si elle passe, bah tout le monde passe quoi. C'est embêtant. Passe, juste.
angle. Cher. Cher. Une tâche. Mettre une petite tâche de recherche. On a des livres. Correcteur de pluie, qui pleut dans le coup. Est-ce que ça va aller? Entraînement tourelle 2. Ça, ouais, ce serait pas mal. Entraînement tourelle 3. Mettre emprisonnement. On peut avoir des projecteurs aussi sur les tourelles. Ça vise mieux. Forum. Là, ce qu'on en fait. Je teste. Hop, elle est partie. Là, ça taffe, là, ça taffe. Oui. Taffe. Pareil. Il taffe pas, mais... 12 en athlétisme, il est déjà bien monté. Toi. Toi, tu fais rien, toi. T'es sûr? T'es sûr que tu fais rien? Oh, parce que c'est plein. Il va falloir se débarrasser du fer, on en fait trop de fer. Ou alors, on fait. 35 là. Ah, y a plus personne qui bosse à. Ah bah, mais si vous bossez pas à plaque de fer. C'est bon. Ah ouais. Tu bouges pas. J'ai quelqu'un dessus. Personne. Bosser. Il faut me faire des plaques, les gars. Pareil, le cuivre, c'est bon. Pouvoir aller vendre ça aussi. On a vraiment tout le temps des trucs à vendre, là. Bien, hein. Ah, ils ont pris tourelle, donc on n'aura plus qu'à trouver des gars. Voilà, laissez finir les recherches, parce que j'ai un doute, hein, sur les tourelles. Pour lesquelles, bonne affaire. On a les arbres à monter, bon là, sans... Je crois que c'est ça. Je crois que c'est... 75. Ah bah, ça me semblait que c'était l'arbre. On va attendre qu'ils finissent la recherche sur les lampes, sur les tourelles. Cher, barre d'acier, plaque de fer. Ah, d'ailleurs, on n'a pas fait encore. On a fait la recherche, mais on l'a pas construit. Qu'on produise nos barres de fer. Et où ça déjà? Pose. Raffinerie acier. Et on va mettre ça. Ça ici. Et on la met comme ça là. Hop. Ça. Là, on a fer et là on a raffiné acier. Ça, on va pouvoir avoir nos petites plaques, petite barre d'acier. Pour ça, à la base, qu'on est allé chercher un livre ancien hein, pour faire la recherche. Ah, par contre, ça, je le sens pas. Ça sent l'obstruction. Non, du coup, non. J'ai ça. Ailleurs. Allez, bah allez. Comme ça, ça serait bien. Reporti.
Alors, on est où là, nos 2 jours? On a une caravane qui vient nous voir. Il faudrait peut-être qu'on mette un nom à notre poste. Oh. Est-ce qu'on met au nom de faction? Juste pour qu'il y ait un nom de faction. Tabir au travers en place, machin, boum. Le petit problème, c'est que celui qui suit Dirt, il est bugué, il est planté. Putain, il y a une obstruction. Reste proche de Dirt. Bloqué. Les autres, ils arrivent, mais pas toi. Bon, on sent que on va devoir bouger quelques caisses en construction. Parce que s'ils arrivent plus à se déplacer, c'est un gros problème. Toujours un qui bloque, pas le même, mais il y a toujours un qui bloque. L'autre est bloqué à l'intérieur. Et il y a un problème de pathfinding, c'est quoi cette histoire-là? Ça, j'ai déjà fait d'arriver des fois, mais jamais autant que ça, quoi. Que ça fait monter de son athlétisme. Ah. Après, si l'athlétisme monte. Et donc. Izumi. Ça taffe. À l'étage, est-ce que ça taffe? Katana, bah non, parce qu'il faut qu'il refasse des plaques du fait qu'il n'y a plus personne qui faisait des plaques. Plaque. Manque quoi? Bah, il manque des plaques. Il manque des plaques pour tout. Béton. Bah, j'ai déjà fait. Salut, Rida. J'ai déjà fait tout à l'heure avec le. Des bêtes de somme, ça lui se rebloque sans arrêt, donc on peut passer notre temps à faire ça. Là, je vais changer le stockage. Je le déplace là. Et j'ai déjà fait pour un gros, car l'autre, en plus l'autre, le gros, il s'est bloqué là-haut maintenant. On peut le faire toutes les 2 secondes, quoi. Un truc, un problème de pathfinding. Ça. Voilà, oui. Je vais rebouger. S'il se bug toutes les 2 secondes, ça va aller. On va attendre qu'ils aient l'autre. Il faut qu'ils unissent les plaques. Alors du coup, on va supprimer la fabrication. On va faire la dernière. Bon, Izumi, t'as encore des trucs à vendre à la base, hein. Allez. Reste comme ça pour le moment. Puis, ça, touche pas. Tu vas aller vendre aussi tout ça. Qu'est-ce que tu fais avec du blé sur toi maintenant? Du tout ce qu'a fait avec le blé. Faire un petit tour.
Pour le moment, j'utilise pas mes bestiaux parce que je veux qu'ils prennent de l'athlétisme, qu'ils grandissent un peu. Bon, ils seront bien tellement plus simples. Ah, c'est vrai, on est fou aussi, on est fou dans tout quoi. On est blindé de trucs. Trop long. On a un problème aussi avec le cul. Alors, la petite caravane, on va voir s'ils ont quelque chose d'intéressant. Rarement le cas. Voilà. Elle a pas un rond en plus. C'est quoi le marchand qui vient qui a pas un rond, on peut pas même pas leur faire gagner notre camelote. Prends un petit kit. Filer les dents. Je vais pas acheter des trucs super chers. Pour... On prend un kit de réparation, ça sert toujours. Ça touffe. Voilà, on a vidé un peu le stock, ça sera bien. Et le travail. Tu lui fais des crocs à machin là? Il s'est débloqué le toutou. Peut-être que je fasse un peu plus d'éclairage par ici. C'est important l'éclairage. Ça, les nuits sont plus efficaces quand ils taffent. Ici, c'est pas mal. On fera des spots aussi. Les arbalétriers, quoi que, bon, on verra. En fonction de la recherche. Voilà, ça ira comme ça. C'est bien. Ça, ils ont de quoi manger. Ouais, c'est égal. Voyez où tu taffes, c'est bien. On va voir vite fait s'il y a de la viande cuite là-dedans, parce que comme on a mis plusieurs fois des trucs à cuire. Bon, par contre, à la limite, on peut faire plutôt ça. Ça, les animaux, ils peuvent tenir aussi. Les autres, tout le monde bouffe à la gamme et les bestiaux. Pas un gros souci. C'est juste que ça stack pas. Du coup, t'en es où toi? T'en manques encore 10. Mec, pourquoi y a personne qui taffe là-dessus? J'ai demandé déjà. Il est où celui à qui j'avais demandé de taffer là-dessus? Il est sur la ressource fer, bah écoute, tu vas laisser la ressource fer, tu vas te consacrer à la raffinerie. On va mettre quelque chose peut-être si quelqu'un fout rien. Alors toi tu fous rien parce qu'il faut qu'on vende le cuivre. Du mini. Viens là ma grande. C'est toi la plus rapide. Tu vas nous vendre le cuivre. Alors le fer on est full aussi, de toute façon, on est tout. Si on est full en tout les mecs. Est-ce
Est-ce qu'il y en a qui sait déjà faire un peu d'arbalète? De tir sur deux toiles, en plus, pas plus que d'arbalète. Non. Faire machine à mur. Bah écoute, vous allez vous entraîner. Oh, quand tu feras plus d'effet, off. Une pierre, une là. Pour le moment, tiens, tu pourras faire ça. Fad, il est pas mauvais déjà en combat, donc on va pas lui s'entraîner. Hop. Ça va niveau éclairage? Ça va. Éclairage au-dessus, ça va. Fade. Éclairage aussi, ça va. Il est trop loin. Les deux. Ça donne quoi le deuxième champ? Il est full? Ouais. Il a besoin de flotte. Je vous l'attribue, hein, le champ, les gars. Sans... sûrement pas fini de construire quand je l'ai fait, donc ça les a mis en ingénieur plutôt que de les mettre en culture. Alors Izumi, on avait dit que tu vas aller peu de ça, juste un peu, pas tout. En plus ça va t'alourdir de trop. 116 pour 114, c'est déjà pas mal. Comme elle a beaucoup de vitesse, malgré ça, pas trop lentement quand même. Bon, le pognon est un peu en train de rentrer, on pourra peut-être aller racheter des livres anciens. Après, on peut les loot, hein, mais c'est dangereux. Le midi, si on peut acheter déjà ceux qui sont en vente, j'ai pas forcément, c'est pas plus mal. Ah mais du coup ils s'entraînent plus, ça m'emmerde. Ils s'entraînent plus à bouger. On va les distribuer à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui bouge. Comme tiens. Tu fais quoi toi? Machinerie, pierre, mine, pierre, c'est pas toi qui va bouger le plus. Killer, ici. Une pierre, la pierre, c'est directement géré là, donc il faut pas bouger. Non, non, sur le fer, c'était pas mal. Le seul petit problème, c'est que. Dirt, je l'ai mis à traîner. Il va retourner faire du cuivre, donc tu peux le laisser sur Dirt. Retourner de toute façon, d'ailleurs il aurait dû y retourner. Alors je sais pourquoi.
enfin c'est égal. Oui, je sais pour retourner chercher. Normalement, ta priorité, t'es censé prioriser le cuivre. Vu que j'ai vidé du cuivre, tu devrais être en train de refaire du cuivre là, normalement. Plutôt que de la tourelle. Ah. Il sait que c'est. Oh bah c'est les petits bandits. Ah oui, c'est notre expédition prévue. Petit mercenaire de toute façon pendant quelques temps. Allons-y. Dumi. Alors. Va reprendre la viande. Pour reprendre un pieu quand même. Allez les gars, faut que ça pexe, hein. Ah, par contre, me tuez pas, mais. Pas mais tu ne me tuez pas. Pour le moment, ils sont petits. Hein. Juste de les acheter. Pour éviter de les perdre. Laissez grandir un petit peu. Il reste là. C'est en diaphane, c'est de la merde ça. Faut ne pas prendre du matos avant, il n'y a rien là-dessus. Et il y a le chef, il a peut-être quelque chose. Il y a le chef quelque part, normalement. Chef? Des fois, le chef, il peut avoir un stuff un peu meilleur. Lordert, toi c'est ta nouvelle passion, la tourelle. Donc c'est pas ta priorité normalement. Monter en 3 sur tourelle. T'as plus de cuivre à faire. Pendant ce temps-là, les copains courent pas. Bah écoute, on va te retirer, hein, tu vas faire du cuivre parce que tu me saoules. Pourquoi ouais, tu veux pas faire du cuivre? Inventaire et plan, c'est quoi? Ah bah voilà pourquoi. Je comprends mieux. Et bah écoute, tu vas aller vider tes poches, mon petit. Et hop. T'explique. Aussi. Mire aussi, s'il te plaît. Je veux pas. Le retour. Là, on t'aide. Voilà. Hop. Notre maître. La dernière. Tu peux revivre ta vie. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas un autre qui est full de cochonneries. Toi, on veut te faire faire un autre pieu, c'était un peu l'idée. Un autre lit ici, au cas où. Pourquoi je le mets dehors? Parce que quand il y a des attaques de ninja, comme ça ils peuvent se soigner dehors. Parce que si on les met dans la baraque, bah, ils peuvent pas se soigner parce que les ninjas ont tendance à rester dans la baraque. Tout simplement. Toi aussi t'as du matos. Et ben... Viens vider tous.
y a toujours toutes ces histoires de priorité sans arrêt. C'est ça qui fait aussi qu'il y a des petits problèmes, c'est que si les priorités sont pas gérées pile poil, et ben c'est pas bon. Les autres, c'est bon, avec tout le monde, c'est bon. C'est parti. Les recherches, du coup, ça en est où? Et moi, je veux voir, tiens, c'est celle-là, on peut monter. Est-ce que ça fonctionne pour du coup, les autres trucs, les outils d'ordinateur? Effectivement, des trucs juste ici, chaque côté. Quand il y a du lourd qui arrive, ferme les portes. Alors, du coup, on a dit qu'on voulait vider celui-là. Bien là, Izumi, tu vas faire un transfert. S'ils sont assez proches, ils switchent entre tous les trucs comme ça. Celui-là, on va le démonter. Aura peut-être un peu moins de gêne sur le passage. Donc apparemment, ça pose un petit peu problème pour nos bestiaux. Là, il n'y a personne. Fini de construire, c'est bien. Écoute, quand tu fais pas de bouffe, tu peux peut-être faire ça. Et on va faire la flotte par nous. Se consacre à tout. Chacun le sien.
Donc ça récolte. C'est bien. Pour du blindé de cactus. Voilà. Blindé de chanvre. Ben c'est bon, ils ont vachement progressé depuis qu'on les a. Ils vont bientôt pouvoir nous servir. La bouffe, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a pas un peu de craquage. Ok. Par contre, il y a des règles, hein, c'est vrai. Et les guerriers alliés, ça va suffire. Sauver, c'est chiant parce qu'ils se traînent mal avec. Après, ils les posent pas des fins. C'est ça qui fait merder. Bah, sauf qu'ils le font quand ils ont. Stone. Est-ce qu'on a besoin d'avoir deux gars finalement maintenant au minerai? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Va nous faire l'arbalète. C'est bien. Laisse tomber Chine. On va peut-être refaire une dose de machin là, des bâtons. Vu qu'on est blindé de cactus. Le temps qu'on ait vraiment plus de pain, machin, fais-nous des bâtonnets. Putain, y a un problème, hein, franchement, regarde ça. Celle-là qui gêne. Là qui gêne, on va la virer. Hein. Attends, il y a la place quand même. L'autre copain qui arrive. Pas de soucis. D'accord, bon, c'est la merde ici aussi. Une autre obstruction. Ça commence à me gonfler. Celle-là qu'il faut déplacer. On va la déplacer, y a pas de soucis, elle va filmer juste. Tu veux essayer d'optimiser en mettant les trucs les proches des uns des autres, mais le problème c'est que le jeu n'aime pas. On va mettre proche, mais pas trop proche. Et c'est toujours bugué. Le problème là qui. Bon.
c'est pas possible ça. On va vous démonter les gars, faites pas les malins comme ça. Et on va arrêter Flash. Dès qu'ils aillent se battre, on va appeler tout ça. Hop. Là. Alors normalement je crois qu'on peut juste aller voir le mec et lui foutre une tarte. Je sais pas que c'était. Aller voir le mec, lui claquer une tarte. C'est ça. Ça marche toujours. J'adore. Vraiment un problème sur cette zone. Ah, c'est là qu'il y a un problème. Hein. C'est quoi, c'est celui-là le problème? Attends, on va tous les virer, hein, s'il y a que ça, on va virer tout ce qu'il y a là. Hein. Hop. Voilà. C'est pour les barres. Bon, j'ai fait deux barres d'acier. C'est pas ça que. La barre d'acier qu'il fallait, c'était fer. Canon, hein. Pour faire un stockage barre de fer. Plaque de fer. On va virer tout ça. Ok, là, on va le virer. Puis, pas différent. Zoom, voilà. Hop, tu me pètes. Là, il dégage. Bon, on va le refaire à côté de là. Hein. Avec barre d'acier. On va le mettre là. Ah. C'est cuivre aussi qui pose problème. Écoute, cuivre. J'espère que c'est ça. Pas déménager toute la map chaque fois. Retourne ici. Voilà. Et vous pétez là. Boum. Petit boum. Toujours pas. Reste dans un. Je vais relancer le jeu. Des fois, il faut relancer le jeu dans ces cas-là.
Sauvegarde. On sort. Je crois que c'est un mode qui pose le problème, mais lequel c'est? Je ne sais plus du tout quel mode c'était qui posait un souci. Je crois que c'était Dark qui pourtant que. Pourtant il marche chez tout le monde, il n'y a pas de raison. Je viens de notre mode. On va voir si ça a le truc. C'est assez chiant des fois. Il y a des petits problèmes sur le jeu. Oh, ça l'a toujours fait plus ou moins. Mais là, ça fait plus que moi, je trouve. Déjà, il a l'air débugué. Nos amis agriculteurs, va virer le côté ingénieur, hein, vous avez du taf déjà. Tu fais des allers-retours pour filer les cactus. Ça va pas le faire. Hein. On va faire un deuxième stockage de cactus. C'est bon. Il va pas passer longtemps comme ça à faire des allers-retours. Ketchum, tu fais quoi? Ketchum, tiens, joue avec ça, monsieur. Et là, il nous manque un peu de plaque en fer. Donc c'est eux qui produisent, c'est ce truc-là qui produit les plaques. Allez, voilà. Du coup, de ça. Du coup, Izumi, tu vas nous rechercher des plaques en fer. Ça ira pas 3 tonnes.
Long avant de poste. Alors, bon, grande charpente. On n'a pas grande charpente, effectivement, je suis d'accord. C'est pas censé suivre Dirt. Ah, ça, je vous ai désactivé les mecs. Pour pas vous fassiez démonter pour. Ok. Eh bien, résumé, ok. Alors. Oui, où tu taffes, Zan, tu taffes. Sric, tu fais rien. Ah bah écoute, tu fallait t'occuper de faire des plaques. Et du coup, tu vas laisser le puits, juste faire les plaques. De réduire un peu l'étage de certains. Ah, plus d'électricité? On va faire une autre éolienne. Ah, on a plus de stock, on va faire une autre éolienne du coup. Excusez-moi ça. Pour le moment, on est un peu sec. Mais ça va se remettre. Ouais, une éolienne, c'est juste. L'éteindre. Tourner cette chaîne. Pas de travailleur. C'est toi qui dois t'en occuper. Voilà, donc c'est bon, t'es dessus, tu nous fais des plaques. Ça, on va pouvoir avoir notre deuxième éolienne. Faire les plaques en fer. Oh, ça, on est blindé. Action. Tu commences juste. Et on peut encore les upgrades. Il y a encore deux plaques.
Voilà, on a deux éoliennes. On va réactiver toutes les machines que j'ai éteintes. Hop, tiens, on va monter notre grade. Allez, on va upgrader ça. Les recherches sont faites. On va y voir un peu pour cette histoire de défense. Ah non, c'est que les MK3 machin qui ont la lampe. 75. Ah, c'est la même que les harpons. J'utilise un peu moins d'énergie. D'accord, juste il faut électricité, mais c'est plus rapide a priori. Alors c'est plus rapide, mais ça ne nous dit pas exactement quel niveau. Là, là. Va faire en faire deux de l'autre côté. En faire. Ouais, il y a moyen d'en faire 6. Par contre, il va falloir mettre un éclairage parce que s'ils arrivent la nuit, et bah les mecs verront pas bien. On fait un éclairage de chaque côté, comme ça, normalement, ils seront bien pour viser. De ce côté-ci. Et on va faire devant. Hop. Voilà. Non, ça va le faire comme ça. Alors ça bouffe du jus. Et on fera une troisième éolienne, on sera tranquille, on va pas se prendre la tête. Les ressources, c'est un détail, hein, franchement. Je sais pas ce que tu fais, maman. Récupérer des trucs qui traînaient. Avec elle. 22. Il commence à être pas mal, il a bien celui-là. Ouais, peut-être être intéressant de recruter un peu plus de. Je dis ça, mais. Donc on n'a pas vraiment des stocks de bouffe. Oh, il y a du pain là-dedans. Du coup, on va pouvoir rechanger la production. Les cracks poussières. Alors, armurerie 2. Ah, on peut faire du katoum. Ok. Katoum 1. Eh ben, fais-moi quelques lames de Katoum. Quelques sabres à nous. Non, Katoum, s'il te plaît. Et avec un peu de chance, ça sera un peu plus que Katoum. Voilà, donc il va prendre le pain, hop, avec les cactus, il va nous faire machin. Ça va commencer à tourner un peu cette affaire. Très bien, déjà ils ont tout. Ok, on a deux stockages de cactus, il y a combien là-dedans? On va tout utiliser pour faire les bâtons. Là. On peut mettre deux sur une barre d'acier. Ouais, déjà pas de plaque. On pourrait les vendre un peu de trucs de construction. Pas que ça va être cher, mais ça débarrassera.
Comme ça, les mecs pourront retourner taffer là-dessus. Que ça vaut rien. Tant les vendre le cuir. Toi, t'es 19. Toi, 18. Traîne-toi là-dessus aussi, du coup. T'as rien d'autre à foutre. Occupe-toi de ça. Il faut masse plaque. Ah, s'il n'y a pas d'urgence. Bah, par contre, j'ai peut-être plus de mercenaires là. Bandirage, ou c'est quoi ça, bandirage? Je sens, je sais pas, je sens que ça pique. Sur le principe, tu vas me retrouver des mercenaires tout de suite. J'ai dans l'idée que ça pique, des bandirages. Hop. Déplace-toi, ma grande, vite, vite, vite. On te regarde, va nous chercher des mercenaires. Bandirage, on sait pas ce que c'est. Du stuff à récupérer. Allez. Hop. Un. Une plaise. Ça, c'est du bon mercenaire. Ça, c'est du très bon mercenaire. Deux qu'on veut. C'est rigolo, les lunettes de soleil et tout. Ah, excellent. Excellent. Allez. Powerlifting. Lui, j'ai dit. C'est merde, c'est pas ce que je veux. Hein. Et où leur patron? Je veux engager des mercenaires pour gagner mon poste pour 8 jours. C'est parti. Allez à la maison. Hop. Bien les accueillir, les petits copains là. Trois heures, pas de soucis. Alors par contre, je voudrais voir par où elle passe, parce que j'ai vu passer à des endroits bizarres. Sortir. Pas de brèche. C'est assez étonnant. T'es maxé toi? T'es maxé pour le temps. Ouais, 31 d'attaque, mais t'es maxé. Plein de tissus, plein de composants électriques. Tu nous as fait un peu du catou, hein, sympa. C'est du catoum qu'il fallait faire, pas de la saleté rouillée. Hein. Top ton truc. Peut-être des trucs qui restent. Ouais. Pas fini la construction, ça. On peut pas produire chose, forcément. Pour des plaques de fer. Plus personne qui mine du tout là. Toi, tu t'entraînes. Chine. Toi, tu fais quoi, toi? Toi, tu nous fais des composants. Tu veux pas faire un peu de fer, tiens. Pas mal hein, avec l'éclairage et tout. Ce sera mieux quand on aura un peu plus ici. Toi, ça. Puis on a le manque de matos.
coup, ça donne quoi en énergie là? Puissance de sortie 38. Les batteries 30. Stock. Ah là là, mon copain. Tout le monde se réunit. Quoi ça? Oh, c'est juste vendu des poussières, c'est ça le raid rage machin? Les cubes, tiens, il va lui remettre une claque. Je crois que ça marche une paire de fois, puis après c'est fini, quoi. Je crois qu'après ça. Alors, sauf que c'est plutôt à l'entraînement. C'est autre chose à faire. Hop. Aux pierres, ça dit quoi? Plein de pierres, ça on s'en sert plus de toute façon. Bah écoute, faut le faire. Alors du coup, ça dit quoi d'autre? Vainement venir, bondit des poussières. Ok. Bon, c'est pas grave. Bizarre. Alors la bouffe ça donne quoi? Ah bah commence à avoir des trucs intéressants. Voilà, ça c'est une bonne rentrée de bouffe. Ah, ça me plaît. On va pouvoir je pense recruter maintenant. Peut-être faire un deuxième truc de chambre aussi, tiens. Sert pas tant que ça. Enfin, on s'en sert pas du tout d'ailleurs. Stocker de quétus, hop, on va faire une deuxième banque de batterie 300. Oh, c'est pas mal 300. Ouais, on va aller voir. Là, tu vas aller tirer à l'aventure. On va peut-être vendre un peu tout de suite cuivre. Déplacer stockage. Il n'y a plus de stockage de cuivre, sans déconner. Je virais le stockage de cuivre et c'est parfait. Alors, d'acier, avec de fer, fer brut. Ah oui, ça c'est extrêmement mollo. Je l'ai même pas vidé. Pété sans. Il est là. C'est celui-là. Je l'ai mis là. Ah donc c'est. Merde. Toi, tu vas venir maintenant. Va être près des humides. Hein? Ah, viens là. Et on va te remplir avec le cuivre. Hop là. Et vous allez tous les deux aller vendre ça. Beaucoup plus simple.
Allez, on regarde. Mais non, t'es censé aller à la même vitesse que la bête de somme. Attends, on va l'attendre. Je préfère éviter de perdre. Ça marche pas la fonction squad avec les animaux. Du coup, bah, faut qu'il court. Attendre, tu vas l'attendre un peu ici du coup. Il a combien de vitesse? 4, c'est pas mal. Va commencer à bien nous aider. Pas qu'il se fasse choper par les bandits affamés parce qu'ils adorent bouffer les bêtes. Allez, mon grand. Ok. Hop. Et on parle à lui. Normalement, on doit être assez près. Ça va gonfler. Ah, lui, il est où le chaleur? Sélectionner porte. Il n'y a pas de pont. C'est pas grave. Donc on peut faire du rhum, vous voyez, ça se vend. Le cactus, on peut faire le rhum. Donc ça se vendrait quand même dans les 500, 454 balles. Pas dégueu. Ah bah, on s'est remis un peu mieux en pognon, c'est tout good. Meuble basique, tissu, harpon supérieur. Ouais, enfin, ça ira. Si on a encore besoin de beaucoup de livres. Enfin, de livres classiques, après c'est surtout des livres anciens qui va nous faire. Bon, l'avantage c'est que c'est pas trop loin, le risque est modéré qu'il nous chope notre bestiole. Et on va le remettre sur Dirt, comme les autres. Continuer à s'entraîner au niveau athlétisme. Voilà. Comme ses copains. Et Izumi. C'est une balade avec des trucs. Poche. On va la recruter des gars. Normalement, à la taverne, il y avait encore deux gars à recruter. Ils étaient chers, mais. C'était. Possible. C'était un peu cher. Tourne.
119 athlétisme. C'est good. Vitesse de 26. Bon, c'est au bar qu'on va aller. Oh, il y a quelqu'un. C'est pas recruté. C'est au bas qu'il y a quelqu'un à côté encore. Alors, toi, non, toi. Sans que non, toi. Docteur, même. On lui trouvera une occupation. T'es quoi, t'es chef mercenaire, ouais. Je le garde pour plus tard si jamais il n'y en avait plus. Si c'est ok, à l'étage. Personne. On a un nouveau copain. Il va aller rejoindre le groupe Newbie. Remonte-nous un peu tes stats. On va faire entrer. Pour résumer, après, c'est pas très grave. On va le faire aller à la base. J'ai perdu. Alors, les stats. Ingénieur 50, travaux 24. Et ben on va le mettre tout de suite à s'entraîner. Hein. Bah. Un matos, il a quoi? Un petit katana. Et de la merde. Eh bah, ben, tu vas aller tout de suite t'entraîner, mon grand. Le plus intéressant dans un premier temps serait de le faire s'entraîner. La pierre pour qu'il monte son athlétisme. Et après, on le passe au combat. Pour les deux, parce que l'athlétisme. Izumi, toi j'ai une idée pour toi. Tu vas aller nous racheter quelques plans. La ville du désert. Et en même temps, normalement, il y a un mécanoïde, un squelette à recruter, là où il me semble. Allez hop, cours, cours, Forest, cours. Par contre, il va être super long pour ramener. Je sais pas s'il arrivera entier. On la met en bloqué et en passif. Alors, tourner à la base. Voir si ça tourne correctement. Bouge, ça donne quoi? Ouais. Quoi? Pas si mal. Tu fais quoi, madame? Ils nous ont fait des. Ce qu'il nous a fait un peu. Oh, il a fait les armes. Donc voilà. Parce qu'elle va. Joyau, tiens. Je puisse accéder. Je vais voir un peu. Oh, il a pas fait. Il a pas fait ou il a tout gardé sur lui, ce qui pille. Ça, c'est son arme. Oh, la base. Non. Après, on a peut-être pas le. Encore parce que vu qu'on était un peu
Un pelage, j'en plaque. Qui efface les plaques. Tourne sur elle. On est dans les terres mortes, il y a de la foudre, de la pluie acide. C'est que du bonheur. Mais il y a des choses très intéressantes. Il y a des araignées aussi mécaniques, les araignées robots là. Certaines sont inactives et d'autres sont actives. Voilà, au bar. On va voir qui est au bar. Alors, toi, on peut causer, t'es qui? Le vendeur. Ils vendent des trucs pour squelette. Hein. Alors, des grogs, on peut en vrai en fabriquer. Je ne sais pas quoi que ça fabrique exactement. Mais ça se vend bien. Ça se vend mieux que le rhum. Mais je ne sais pas à quoi ça se fabrique. Il y a quelqu'un qui causait. Oui, il y a quelqu'un. Oui, non, non. Non, il y a quelqu'un, mais on peut pas causer avec. Et non plus. Tristesse. À l'étage. Alors là, vous avez des lits squelettes. Ça permet de réparer les prothèses. Pas ici qu'il est, là, le gars. Il y a barre. Je sais qu'il y en a un côté ici. Là, c'est le magasin de prothèses. Il y a plein de prothèses ici. Et vous pouvez réparer les prothèses, leur redonner la Duramax. Putain, qu'il n'y a pas le gars. Il n'y a pas le robot. Il me semblait que c'était ici qu'il y en avait un. Trompé. Tout. Pas ici. Déception. Il n'y a pas d'autres bâtiments dehors de toutes ces conneries. Là, on n'a pas grand-chose, ça. C'est juste des entrepôts où vous pouvez voler des trucs si vous êtes vilain, mais vous faire attraper quoi. La heure-ci, c'est fermé. On peut aller directement dans ce cas-là. Au magasin des pots. Ouais, je suis surpris. Oui, bah va t'abriter, mais grand. Et c'est à l'étage que ça se passe. C'est ici hein, qu'il est le mec à recruter. Je sais qu'il y a le vendeur, mais j'ai peut-être qu'il est là. Et ça, c'est le marchand. Celui qui a notamment tout un tas de plans. Ah oui, c'est le plan. C'est le plan que je voudrais, que j'ai dit que je voulais prendre. Les sabres du désert. Voilà, sabre étranger. 14 000 balles. Pour faire ça. Non, c'est pas pour faire ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Sabre du désert que je veux, moi. Nouvelle classe d'armes, sabre étranger. C'est pas ça.
Là aussi, ils sont pas mal, les camachins. Non, c'est pas ceux-là. Moi, je veux ça. Je veux le sable du désert. C'est pas ceux-là, du coup. Pourtant, tout à l'heure, il y avait. Il en vente, il l'a pu. Abusé. C'est tout. On verra avec ça. Voir ce qui comment ils sont. Niveau take 2. Déjà, de toute façon, ce sera mieux que les plans que j'ai. C'est peut-être ça. Hein. Alors, vous voyez, là vous trouvez tout un tas d'armes, c'est tout ce que vous voulez. Des plans, quelques plans assez sympas. Oh, les lunettes, plus. La cache poussière, je sais plus ce que ça fait. Ah bah il est là. Est-ce que je peux... Tant que j'ai pas fermé, est-ce que ça marche encore? Ah non. Ok. Moi je peux le racheter quand même, mais il m'aura coûté cher. Pas que non, non, c'est bon. C'est bon parce que j'avais acheté non, mais du coup ça m'a rien coûté. Tant que j'ai pas fermé la fenêtre, ça m'a coûté. Ah, ça m'a... C'est ça, moi je veux celui-là. Ça devrait se ranger, c'est ça, je... faire ça. Parce qu'il a pas de malus. Il a un bonus sur les araignées. Les araignées, ça fait bien chiant. Sur tous les animaux, il a des bonus. Plutôt pas mal. Le sabre étranger, bon bah il a pas de bonus particulier. Enfin, il est bon hein. Il est bon, c'est pas la question. On a fait notre marché, on rentre à la maison. Mais je suis déçu. Je croyais qu'on pouvait recruter un squelette ici. Je me souviens plus du coup. Donc dans les ruines, là, vous pouvez trouver des livres anciens aussi dans ces ruines-là. Il y en a d'autres hein, par là, normalement, des ruines, il me semble. Quand il y a des araignées, machin, chaud, quoi. Je pense que par là, on n'a pas encore trop le niveau. On fera ailleurs d'abord. C'est court. Tant que vous restez pas trop à plomb sous la pluie acide, ça va encore. En plus, là, j'ai quand même un peu de matos qui permet de diminuer l'acide. Tempête de sable. C'est pour ça que j'ai pris les stuffs que les mecs avaient, parce qu'ils avaient des petits bonus assez intéressants quand même. Ah, ça frite à la maison. C'est pas ça à la maison. Oh, c'est des bandits. Dieu fermé. Va ouvrir, ça entraîne les gars. Hop. Si elle, tu lui mets. Si elle perd une jambe, tu lui mets une prothèse
scout, genre une bonne prothèse scout. Je raconte pas la vitesse de déplacement. Déjà là, 80 athlètes, c'est bien, mais quand tu as un bon multiplicateur qui rajoute 20-30% aux compétences d'athlétisme, c'est très rigolo. Zanu, il a une prothèse comme ça, comme j'ai mis. C'est pas une exceptionnelle, mais il donne un bonus de déplacement. Faudra tester, voir. Bon, après, il a moins d'entraînement aussi. Ok, ah oui, donc j'ai pas pris plan. En plan, tant qu'à faire. Et va déposer les livres, hein, les livres anciens. Hop, et qu'on voit un peu ce qu'on te fait apprendre du coup. Quoi pour tech 4? Ah, il faut 4. Ah, c'est de ouf, j'en ai 3. Les foreuses. Pour la pierre, les foreuses. Alors, c'est foreuses automatiques de pierre, donc pas besoin, il me semble, de miner du coup à côté. Mais donc, moins de personnes, moins de monde. Est-ce que c'est indispensable? Pierre, c'est pas vraiment un gros problème. Hein. De construction, on n'utilise pas les quantités énormes. Ça, c'est pour fabriquer des arbalètes, il me semble. Grog, j'aime bien la liste. Ça te dit pas ce qu'il faut produire. On va pas prendre un plan si on sait pas. Quoique. La 6 livres. Est-ce qu'ils sont en prendre robotique? Pas forcément super intéressant de se faire chier à fabriquer des arbalètes. Puis 3, ça peut être intéressant. Des blocs gros qu'on voit, il faut. De toute façon, c'est avec des livres classiques. Alors, voyons voir un peu justement les sabres. Alors, tu supprimes ça. Et tu me feras sabre du désert Katoum. Est-ce que on est redevenu. Le problème, c'est que comme j'ai lancé toutes les arbalètes, ça me. Je mettais les plaques de métal. On est trop léger en plaque de métal. On est presque construit le deuxième, mais après on va en avoir trop aussi. Donc. Barre d'acier, plaque de métal. Plaque de métal en de fer. Au lycée, continue. Toi, t'es 20, on peut monter jusqu'à 20. Bref, upgrade, il va nous falloir. Plaque de fer, ouais, mais on l'a déjà pas. T'es 10. 17. Est-ce que t'as faim? À manger? Embête. Ah, il a pas mal. Il est passé 25 en athlétisme, ça c'est bien. Il a bien bossé au niveau de l'athlétisme. Bon, pas vous aussi, mais ça on se fout. L'athlétisme, il a pas mal bossé, donc 25 c'est déjà une bonne base.
Je vais me mettre à l'entraînement là sur. Commence à t'entraîner. C'est bien ça, taf. Ouais, enfin tes ventes en tourelle, c'est assez capé à 20. Autre chose. Skinner, les ventes aussi. Autre chose. Je sais pas, on va faire du métal, vite à vie quoi. Tu peux pas craft vu qu'on n'a pas de plaque. On y fait. Alors, Grog, tiens, on va regarder justement. Par contre, j'y arrive. Moi, les plans. C'est dans quoi, dans l'agriculture? Fabrication. Alors, l'atelier médical, on n'a pas fait encore. Les plaques de fer aussi. Les cages, le lit qu'on pourrait faire. Ouais, mais bon, les lits sont déjà vachement bien. Sac de couchage grâce au truc qui améliore. Tu fais beaucoup là, beaucoup les. Distillerie biofuel. Bas. Je ne sais pas du coup. Bah, directement non. Regardez. Pas de truc spécial là. Alors, riz, fruits verts, on peut pas. Voilà. Il n'y a pas la bonne. Pas le bon biome pour produire. Pas la bonne fertilité. Voilà. Je vois pas le truc. Que ce soit dans le district, il fallait construire la distillerie. Ça met que c'est pour le biofuel. Le carburant, donc ça n'a rien à voir. C'est dans l'atelier médical? Putain, ouais, mais. Robotique, ça. Celui-là, on n'a pas fait. On pourrait le faire.
C'est assez gros. Faut pas bloquer l'escalier en haut qui passe en haut. Il existe des maisons plus grandes. Vite, on fera une autre. On a la place pour faire une maison pour d'autres ateliers. On a en plus des kits de construction. Ça, notre baraque. Alors, maison longue, c'est celle-ci. Maison insecte, c'est pas mal la maison insecte. Maison L, c'est bien aussi. C'est le même coup. Abri tempête, c'est un petit truc. Alors après, il existe des plus grandes maisons encore. On peut se faire celle-là. Là, comme ça. Hop. Bon, il n'y a personne qui arrive. Ouais, donc je comprends pas où ça se fait le truc. Comprends pas du tout où tu fabriques aussi bien d'ailleurs le rhum. Ah, machine à grog, alambic rhum, d'accord. Ça dit quoi? Consommation d'électricité, produit du grog. C'est pas ce que ça utilise comme ressource. Autant le rhum à partir du cactus. Pour ça, on sait. On va le faire là-dedans. Autant le grog, je sais pas à partir de quoi c'est fait. Des fruits verts. Donc c'est ouais, donc c'est dans nos. Ok. On fera le rhum, je pense. Si on a du stock de. L'air de tout utiliser. Après, on fait du hashish. Pas mal de chanvre. Si tout est utilisé pour faire les pierres, on va pas gâcher du cactus. L'important c'est la bouffe. Là, il a encore déposé son arme à ce coup. Ça c'est un bug, hein. Le forgeron il dépose son arme dans le truc. Alors toi tu fais rien du coup. Du tout. Robotique, ingénieur, médecin. Est-ce que t'es entraîné ou... Ouais, t'es entraîné. Est-ce que ça t'es entraîné? Ouais, t'es entraîné. Alors, ils ont construit ça. Allez, on va faire un petit tour. Vous voyez, c'est assez grand. C'est pas mal pour faire des ateliers. Donc, on va faire notre truc à. Ah non, c'est un c'est chiche du coup. Chiche. Ah bon, faire gaffe parce que c'est la contrebande, donc. Ça peut nous coûter cher. À vendre ça n'importe où. Ah, c'est finalement le cactus, c'est étonnant que j'ai pas du cactus en trop. Parce que c'est plus fertile sur le cactus. Normalement, on devrait avoir
De cactus. Oh, des stocks de cactus. Oui, c'est rendement de récolte 87 à 52 par rapport sur le blé. On devrait avoir du stock de cactus. Il n'y a pas de flotte, les gars. On va améliorer avec de fer, matière de construction. Ça sort de l'eau. Hein. Pourquoi il n'y a encore personne sur cette machine? Tu fais quoi, toi, là? Non, tu fais pas ingénieur, tu fais ça. Tu fais que ça. Que ça. Peut-être finir en faire une deuxième. Hein. C'est que ça me coûte tellement cher là, de construire toutes ces conneries. La défense, ça va me servir, mais c'est cher. Là, il manque encore. Barre d'acier. Là, il manque aussi des barres d'acier. Le problème pour les barres d'acier. Des plaques de fer, c'est ça qui nous bouffe les plaques de fer. On va le couper pour le moment. J'utilise une barre de fer, une plaque de fer pour. Ouais, bon, j'espère qu'il va fonctionner un petit peu mieux. Upgrade aussi celui-là parce que. C'est embêtant qu'on ait quasiment plus de flotte. Déjà ça va être mieux avec d'évoluer. On a de l'eau hein, donc l'eau utilisée. On a pu. Tiens encore un petit peu a priori. Ça devrait être mieux. Alors après il n'y a pas une grosse ressource d'eau. Hein. C'est pour ça que j'en ai fait deux. On est où au niveau énergie? Pense qu'on peut faire une éolienne encore. On va pouvoir la faire ici vu que quand même de fonction de terrain. Lui, il attend pour faire ses armes. Stone, t'attends quoi, Stone? Tu peux venir t'entraîner un peu, Stone. Pas 20. Si t'es 20, oh, ça met pas 20. C'est peut-être le niveau qui est en cours. Bref, on s'en fout. Faire dans les pas mal là, pas là on est pas Si je fais une deuxième machine à plaques, ça va nous coûter des plaques pour faire des machines à raffinerie. C'est pas long ça.
C'est dans une de plaques. Hein. Et on peut faire là une plus petite. Vous avez le niveau là, c'est le niveau max qu'on peut faire. On peut rabaisser. Il faut plus que 6 plaques. Et après on l'upgrade après et puis c'est tout. Ouais, ça sera mieux. Avec deux, je peux produire en plus de plaques, on pourra faire des armes et tout. Ça sera beaucoup mieux. J'aurais peut-être dû laisser ça d'abord. Efficacité 1%, bah ouais, on a plus de jus, c'est ça. Passer devant. Pompe trop d'énergie. Attends. On va faire d'autres batteries aussi pour stocker plus de l'énergie. Il y a pas mal de vent. Voilà, ça y est. On récupère du vent. Puissance de sortie 47. Après, on peut faire les générateurs, machin, tout ça. On finit plus quoi. Team 21, encore électricité qui manque. C'est marrant, ils sont pas du tout à la même hauteur là. Ces deux éoliennes, c'est les mêmes. Ça joue pas sur la puissance de sortie. Bizarre. Ok, bon, du coup, toi, Stone, tu fais quoi? Tu fais rien. Et eh ben, tu vas te mettre sur celle-là aussi. Ça fera quelques plaques en plus. Il me fabrique l'autre. Qu'est-ce que je peux couper du coup en jus? Celle-ci était coupée. Non, elle était pas coupée, c'est pas important. Alors, voyons voir ce que tu proposes. Est-ce que tu as refait du pognon parce qu'il n'avait pas un rond? Je peux même pas lui vendre des trucs. T'es où, Izumi? Arrête. Et tu vas voir notre copain de la ruche. Ah, il leur fait du pognon. Bon, après, des petites prothèses. Et des livres, mais bon. C'est bon. C'est bien quand vous avez besoin de prothèses que le mec, de temps en temps, il vient, quelques-unes acheter. J'ai envie de faire un aller-retour à la ruche, mais oui, elles sont pas terribles. Non. À couper ça aussi. Ça, c'est coupé. C'est ça que j'ai pas coupé. Ça demande rien, le pouvoir.
quelques trucs. On a une lumière efficace. Les plaques devraient rentrer un petit peu. Résumé, vu que tu fais rien. On va faire un peu de métal. Allez, vas-y. En pierre, d'ailleurs. Ah, tu peux refaire de la pierre plutôt. De la pierre. Ah, ça frite. C'est une tag. C'est quoi ces bandits? Bandits poussière. Oh, à bon niveau, oui, ils sont dévastateurs, les bêtes de ça, non? Te foutre des grosses claques, zone. Chipote. Diminue si tu chipotes. Ah, pas mal plus de travailleurs sur celle-ci. Ce qui meurt va aider. Aider. T'as besoin de métal de toute façon pour faire tes armes. Tu fais rien. Aider un peu sur. Black. Ah, les machines améliorées souvent. Ça permet d'avoir principalement besoin de main d'œuvre pour tourner. Surtout ça. Et la efficacité maximale 75% avec 3 personnes. Là, on est à 100%, mais bon, c'est. Il faut du jus. Là, il n'y a pas besoin de jus. Toute la différence. C'est pas mal, c'est pas mal. En sachant qu'il y a deux rations. Trois rations, non, il y a trois rations. Il mange trois fois dedans, je crois. Comment on les coupe, je sais pas trop, parce que. 40 unités alors que complète c'est 70, mais bon. Tout le monde est bien nourri maintenant, il n'y a plus de problème de nourriture comme il y avait à une époque. Alors, vous voulez pas faire la construction seul? C'est quoi ton problème de construction? Il n'y a plus de cuivre? Des plaques de fer, on en a. Hein. Si on a tout pour qu'on ne veut pas construire. On a des plaques de fer ici. Allô? Quelques plaques sur toi.
cuivre, plaque de fer. Plaque de fer, c'est ce que t'as sur toi. Ouais, c'est bugué, c'est quoi l'histoire? Du cuivre, il y en a ici du cuivre. Prends du cuivre. Bon, on va l'annuler. On va refaire ailleurs. Les autres, il n'y a aucun problème pour construire les deux autres. Là, apparemment, il y a un souci. Voilà, tout d'un coup, ça fonctionne. Bon. Pas à chercher à tout comprendre. Avec 3, on devrait être pas mal, je pense. On fera juste une batterie en plus. Temps de faire un peu de pognon. Bon, alors on a 3. On va rajouter une batterie ici. Ça nous en fait 2, ça devrait être pas mal. Vide, oui, bah ça va se charger. Dès qu'il y a un petit peu plus de vent, ça va aller. Du coup, on va refaire un peu de plaque, c'est bien. Ça, on réactivera quand les énergies. Après, les éclairages pompent aussi de l'énergie, hein, forcément. L'éclairage. Là aussi, ça pompe de l'énergie, donc il y a pas mal de trucs qui pompent de l'énergie. On fera une quatrième. Va voir si avec les 3 plus de batterie, ça tient. On va tout rallumer. Ça fait combien de temps que tu fais de l'agriculture et tu fais toujours des échecs? Ça m'inquiète, toi, quand même. 82 en agriculture. Toi aussi, et vous arrivez à faire des échecs sur échecs. Inquiétant. Non, les mecs. C'est plein du coup. Pas besoin de pierre. Métal, ça va. Cuivre, ça va. On pourrait quoi? Ça se vend combien ça?
Non, mais elle le transforme. Non, pas terrible. Ouais, mon champ, une paire de plans. Mon Jimmy, tu veux les vendre du cuivre. Tu veux les vendre du cuivre. Va à peine notre copain. Tous les deux, vous allez nous vendre ça. Alors, Nate, on est où? Petit athlétisme 28. Ça ira, je pense, pour le moment. T'entraîner. Toi, c'est bon. C'est bon. Le problème c'est que des trucs comme ça, ils ont vite plus d'argent. Ils ont une grosse quantité de cuivre, de ressources, vite fauché. Bon, on va aller. Ça serait bien d'avoir un petit peu plus de pognon quand même. Écoutez encore d'autres personnes. On va aller au Rasken, il y en a qui sont pas mauvais du tout là-haut. Ah, il y a des copains qui arrivent. Ah non. En tout cas, il y a un marqué. Si, ça vient chez nous. Mais c'était pas indiqué. C'est pas un raid officiel. Il y en a qui sont officiers, oui, pas d'autres. Mais, fais-moi tout ça. Oh, comment ils se font ouvrir maintenant? C'est pas un pli. Massacre. Soigne-toi vite fait, avant que je t'envoie en expédition. Et tu vas aller à Skien, recruter la monde qu'il y a là-haut. Tu vas d'abord aller mettre les plans achetés, mais finalement on les a gardés. C'est resté sur le truc.
tout ça là. C'est encore un plan ancien. On va faire la recherche pour le haschich. Ah, il faut rechercher, j'ai. D'accord. Bah, du coup, j'ai presque trop. C'est ce que je craignais. Tout le reste, il faut des trucs spéciaux. C'est pour de l'oeuvre. Énergie, ça dit quoi? Pff, de toute façon, les mecs, ils vont les péter s'ils veulent rentrer. Après, si je les ferme, il faut que je rouvre à chaque fois que je veux sortir. Ils vont les péter. Moi, elles me serviront de les fermer quand j'aurai un vrai raid officiel qui va arriver, tu sais, où je suis au courant. J'ai fait mes tours, une partie de mes tourelles sont faites. Et on pourra fermer la grille. Là, j'aurais pu, effectivement, pour montrer un peu ce que ça fait avec les tourelles. Elles sont pas finies totalement. Donc, encore des manque des barres d'acier, d'ailleurs. J'ai ça. Mais là, c'est les mecs faut qu'ils pexent. C'était pas un truc dangereux, tu vois. Ça a été un truc dangereux comme des bandits, des ninjas, des trucs comme ça. Là, ouais, on ferme. Mais là, les mecs, ça, ils pexent gentiment là-dessus. C'est de l'easy pour eux, quoi. Ah, easy. Voilà, ça passe, quoi. Tranquille. Ouais, donc je voulais voir. Ils dorment. Ils ont mis Turton dedans parce que je veux voir en intérieur. Il descend. Merci pour le follow. Ouais, on refait. On est en train de refaire du stock d'énergie. Je pense que ça va peut-être passer avec juste. On va réactiver ça, qu'il puisse nous faire un peu les lames qu'on vient demander. Et puis qu'il continue à s'entraîner tout simplement. Ah, il en a déjà fait une. Katoun numéro 1. Ouais, déjà là, on a des armes un peu plus sympas, ça se vend 1900 balles quoi. Et c'est une toute simple. Il n'y a pas eu. On peut lui envoyer faire vendre ça en même temps. On va lui équiper. Et la différence. Dommage par tranchant, 0,89, 0,47. Dommage par contondant, 0,05, 0,15. 201, 0,90. On a un malus d'attaque avec celle-ci, un bonus de défense. Avec celle-ci, on n'a que un bonus de défense. Et on a des dommages améliorés sur les animaux. Alors pas contre les robots, mais sur les animaux là. Et tu vois la différence de prix, ça vaut 496 balles. Ça vaut 7871. C'est plutôt une bonne upgrade. Et on va lui faire prendre tout ça. Mais ça, est-ce que c'est mieux que ça? 372. Ah, ce serait un peu mieux. Bon, ils sont pas. C'est le niveau restauré, donc c'est pas top. Hein. La qualité, il y a encore du boulot. Ça, c'est celle du fabricant, de l'armurier. Donc c'est bien. On va lui envoyer vendre ça et recruter des gars à Skyne. Ah, toujours quelques conneries à prendre. Il a de la place pour d'autres conneries. Ça. Quoique ça, on va le garder peut-être pour récupérer les nouveaux. C'est pas du super stuff, mais c'est du stuff. Probablement mieux que ce qu'ils ont. Elle va y aller toute seule. On va miser tout sur la vitesse. Donc elle va aller toute seule ici. Elle est ma grande, c'est parti. Là, on en est où? On peut remettre d'autres files d'attente. On va essayer d'équiper déjà le maximum de nos gars en sabre du désert. Donc qualité Katoon. Ouais, nous avons un petit stock et on verra. Ici. Taf. Sans déconner. Qu'est-ce qu'ils aient. J'ai cru que c'était fait taper, mais. C'est rouge, mais.
Ça taffe ici, ça taffe, là, ça taffe. Toi. Lui, c'est le crafter, il attend d'avoir des plaques à mon avis. Pour faire les armes. Les plaques, on l'utilise pour d'autres trucs. Toi, t'essayes de faire quoi? T'essayes de choper un des cadavres pour le brûler, c'est ça? Essaye de trouver les cadavres. Apparemment, il y en a un qui doit être bloqué en dessous. Du coup, tu vas arrêter de chercher des cadavres. Je vais chercher les cadavres pour les brûler, ceux qui sont morts, pour débarrasser un peu. Dégueulasse. Et ça va te satire les animaux et trucs comme ça. Mineur. C'est lui notre forgeron. 38 en. Taunt, ça c'est mon fade. Taf, a priori, toi aussi. Et toi, tu t'entraînes. Déjà quasiment 13. Et donc l'autre Skinner, il fait quoi? Il est censé faire quoi? Les pierres. Machine pierre, non, machine pierre, quelqu'un qui s'en occupe. C'est là où machine pierre. On peut le mettre à machine pierre. Il construit. Ah, il est déjà arrivé en ville. On y va. Alors, on va débarrasser d'autres quelques armes. Ici, on a toujours quelques pièces en boutant, c'est pas grave. Une petite bouffe, histoire de. Le rhum, ils sont à 520 ici. Il y a le poisson aussi qui peut être une alternative pas trop chère quand il y en a. Alternative à la viande séchée, mais c'est relativement cher au final hein, parce que ça rajoute 15 nutrition, là c'est 20 nutrition, par contre le prix c'est 145. Oh ouf. Alors, à qui qu'on cause ici? Ah, on veut des recrues nous. Toi t'es quoi toi? L'ingénieur. 6000 balles l'ingénieur. On va faire des combattants quoi. Je sais qu'il y a des combattants ici. Voilà, Kong déjà. Et lui, c'est un combattant. Allez, Kong, tu viens avec nous. Et Kong, il a un peu de stade déjà. Il est plutôt bon. Il est du niveau de. Un peu moins peut-être que notre team principale, mais il est déjà pas mal. Par contre, il va falloir qu'il bosse son athlétisme, probablement. Ah, il a 16 quand même. Si mal. Est-ce qu'on peut déjà l'envoyer comme ça à la maison? Il va arriver entier. Ok. Et on va aller dans l'autre taverne. De côté, là ici il doit y en avoir des combattants. Tout en bas. Je sais plus ce qu'il est. 3000 balles, allez, c'est pas très cher. On entraînera ça. Elle, c'est une combattante, elle est très bien. Oh, c'est 16, 5. Elle a un petit peu de stuff, mais c'est pas. Elle est tenue comme nous, le manteau sans. Bon, enfin, genre qui est bien protégé parce qu'il protège tous les membres en fait. Enfin, il protège bien tout ce qui est jambes, ventre, poitrine. Il est pas aussi bien que celui qu'on a, je crois. Oui. En stats, il y a les bonnes stats aussi. Elle est bien aussi. On va l'envoyer pareil directement à la maison. Voilà. 3, lui, c'est de la merde, je suis sûr. Il est dégueulasse en tout. On va l'entraîner. Pas sûr qu'il arrive vivant à la maison.
Quoi, tu veux quoi, toi? On a deux qui ont fait du business à cet endroit. Ah ouais. Bizarre ça. Alors ici, je crois qu'il y en a encore un autre qui est bon. Auron, lui, c'est un pas cher, il est pas 100. 100. Pep, pareil, je crois que c'est. Bon, j'ai plus beaucoup de pognon de toute façon. Je crois qu'on est déjà bon. On a plusieurs combattants, puis un pas terrible. Je suis un peu déjà sec, hein, ça va vite. Lui, je sais pas s'il va arriver en vie à la base. Allez, tente ta chance. Lui, il a pas. Il a rien. Que dalle. Moindre bandit qui passe, il va se faire attraper. Donc, il a tenté sa chance. S'il s'en sort pas, on essaiera de récupérer. Voilà. Allez hop, tout le monde court. Et la différence, 0 athlétisme et 80. Fusée, quoi. Et les autres, elle est en train de rattraper les autres qui ont 25. Oh bah ouais. Elle va réussir à les semer, mais oui, il va pas les semer, hein, les bandits là. Oh, c'est même pas sûr qu'elle va pas réussir. 25, c'est encore un peu juste. Grave, on ira la sauver. Si elle n'arrive pas. Oh, si elle va arriver. Oh merde, elle était bien là. Non, non. Non, mais continue à courir. Continue à courir. T'es bien là, t'étais sur la bonne voie, t'avais pas besoin de te retourner. Pas faire des montées pour rien, bah voilà. Évidemment. Pareil, on va mettre en passif. Alors, tu les amènes à la base, au pire, et puis. Les deux. Oui, par contre. Ah, regarde ça. Les deux là. Ah, vous êtes tous les deux là, tiens. Va appeler Zumi. Rigoler. Là, elle est déjà les deux. Je vais repasser en mode. Bah. Zumi va arriver vite à valider. Je pense que. Ouais, c'est de la merde. Ils vont les démonter, hein, pas de soucis. Rien. Peut-être laisser une chance à Wii de passer. Ils les ont ouverts. Ceci. On va attendre Wii du coup. Il n'est plus forcément très très loin. On va essayer d'échapper à tout le monde. Bon, c'est formidable. Il est passé d'un athlétisme. C'est rigolo. Il n'y a pas de staff là-dessus. Allez. Squad. Alors là, voilà, le maillon faible, c'est l'autre. Sur les squads, il ralentit tout le monde. Il s'ajuste sur sa vitesse à lui. Oui, vu qu'il n'y a pas d'athlétisme. On a trois combattants qui sont pas trop mauvais là. Donc. Puis plus très loin de la base, si au pire, s'il y a un problème, on va faire une expédition de sauvetage. Et c'est là, effectivement, où l'athlétisme est très important. C'est déjà. Là, ça peut permettre d'éviter les combats que vous voulez pas faire pour X ou Y raison. C'est pas toujours intéressant. Perte de temps, vous déplacez beaucoup plus vite sur la map. La map est quand même plutôt grande.
Voilà, home sweet home. Stop, stop. Non mais c'est bon, stop. Alors, Uni, on va du tabi. Rwanda, on va voir si t'as besoin de t'entraîner un peu quand même. Hop. Donc pareil. Bon. Voilà. Pour aller 27, ça. On va s'entraîner ça. On va lui trouver une autre activité. Donc. Normalement c'est pareil. D'accord. C'est lui qui a besoin de s'entraîner. Alors les deux là pour le moment on va les mettre à s'entraîner au crochetage. Ils sont probablement pas bons au crochetage. Et ça c'est intéressant le crochetage quand on va aller faire des visiter des bâtiments abandonnés, des trucs comme ça, pour ouvrir les coffres. Il y a tout un tas de coffres, de portes à ouvrir. C'est bien d'avoir un crochetage. Maximum de personnes de crochetage. Voilà. Petite recrue. Alors lui, par contre, il va passer dans le bise hein, parce que c'est pas du tout. Autant les deux autres, ils ont leur place dans le bon groupe. On va donc les équiper. Alors ceux-là, ils ont déjà pas mal progressé. Hein. Et pas encore. Celui-là, c'est pas trop mal. Ouais, ils avancent. Il y a encore du boulot, mais ils sont pas si mauvais déjà. Ça, c'est le matos. C'est leur épée, le sabre qu'ils ont qui est le malus. C'est pour ça qu'on va crafter des sabres pour tout le monde. Bonjour, bonsoir à toi, Skytech, et bienvenue. Quoi alors, ça craft, madame? Ça craft. Est-ce que tu nous en as fait des belles là? Atoon 1. Atoon 1. De toute façon, c'est mieux que tout ce qu'on a. Donc, même si c'est pas pété, c'est mieux. Et en plus de malus du coup. Viens chercher. Viens chercher bonheur. Celui-là il est bien sûr, de côté. C'est un truc qu'on a looté. Ok, toi c'est bien. Zan, viens chercher bonheur aussi. Est pas mauvais le sien hein, déjà. C'est un 4 ou une 2 qu'il a quand même. Ah ouais, non, lui on va le laisser un peu. Quoique, il est mieux quand même. Hein. On va changer. On vendra ces trucs-là. Plus il va craft l'autre, plus les armes ont potentiellement rock. Et avoir du Katoon 2, voire mieux. Et il a besoin de pex encore. Il a besoin de plaques. Beaucoup de plaques pour faire. Beaucoup. Il a besoin de certains de plaques pour faire quand même. Pas l'upgrade en comme ça, c'est je pensais qu'on pourrait quand même l'upgrade après, mais non, on n'a pas assez d'énergie, c'est vrai. Bah, tu les recrutes soit dans les avant-postes, soit dans les villes. Tu regardes, j'en ai recruté ici, j'en ai recruté. Où j'ai démarré la partie, mais bon, j'ai perdu les trois quarts que j'avais recruté par dans le coin parce que c'est de l'online très très dur pour démarrer. J'en ai recruté ici où j'ai fait une étape pour me refaire après avoir traversé tout le désert, avoir perdu les trois quarts de mes gars pour arriver jusqu'ici, donc dans l'avant-poste. Dans les étapes voyageurs, t'en trouves dans les villes, tu en trouves principalement, c'est ça hein. Dans les petits villages aussi, des fois tu peux en trouver. T'en trouves un peu partout.
Partout là, tu peux recruter des gars. Tu vas dans les tavernes. Dans les tavernes, dans les dortoirs. C'est là généralement que tu les trouves. Les bars, tavernes, tout ça. Mais après, il faut que tu payes, hein, la plupart du temps. De temps en temps, il y en a qui te rejoignent gratuitement ou pour quasiment rien. Et autrement, c'est entre 3 000, 7 000, 5 000. Ça dépend de leur compétence. Tu vois, là, j'en ai recruté plusieurs. Ils m'ont coûté, elle m'a coûté 7 500, lui m'a coûté 6 000, parce qu'ils avaient des stats déjà. En fait, c'est un jeu RPG survie. Tu démarres, t'es tout seul. T'as un stuff dégueulasse, t'as pas de stats. Et tu dois survivre. Donc, soit tu peux rester tout seul et monter tes compétences en faisant des combats, etc. Soit tu peux monter des escouades, des groupes. Tu peux rester en ville si tu veux avec ces groupes-là et faire des petites quêtes. Il n'y a pas de quête, mais faire tes petites affaires. Hein, Toi, tu peux monter, tu peux créer ta propre colonie autonome. Comme là, j'ai fait. Et le but, bah, c'est de faire prospérer la colonie, de t'autonome. Tu vois, tu produis ta bouffe. Tu produis de quoi craft bah, des matériaux pour construire tes bâtiments. Oh, là, il y a du vilain. Alors, par contre, ça c'est bien. Donc là, on va fermer les portes. Et on va essayer de faire jouer un peu nos arbalétriers. Je sais pas combien on a construit. Hop. Dirt. Et donc, tu dois résister à des attaques parce que tu vas être attaqué un peu partout, quoi. Le monde est hostile. Hein. Tout le monde veut te tuer, que ce soit les animaux, que ce soit. On en a 4, c'est bien. Que ce soit les autres factions, tu vois, eux, ils viennent nous ravager. Les guilines du dragon noir, ils viennent régulièrement pour nous piquer notre bouffe. Et t'as tout un tas de factions comme ça sur la carte. Tiens, des cannibales. Alors t'en as, ils sont relativement gentils. Ils dépendent des nations. Il y a des nations qui sont neutres, des nations qui sont hostiles, parce qu'ils n'aiment pas les autres races. Par exemple, ils n'aiment pas les Shrek. Donc dès qu'ils en voient, ils veulent les taper. Il y en a, ils n'aiment pas trop les femmes, ils sont sexistes, racistes, tout ce que tu veux. Il y a de tout. T'as des marchands d'esclaves aussi. Donc ils peuvent t'attaquer, t'as tout un tas de toi, t'as toutes ces factions-là où tu peux être plus ou moins bien avec eux. T'as des pilleurs, t'as rien à faire, de toute façon, ça frite. Ah bah oui, c'est tout à fait. C'est inspiré, je pense, de plus ou moins de Mad Max. Hein. C'est un monde plus ou moins post-apocalyptique. Enfin, c'est une planète différente, donc c'est pas vraiment post-apocalyptique, mais c'est vrai que ça fait fortement penser à Mad Max, quoi. C'est la lutte pour la survie. Tout le monde t'en veut, quoi. Les animaux sauvages, les autres tribus, les autres espèces, t'as des robots, t'as des trucs mécaniques, des robots aussi qui peuvent être agressifs. Voilà, là, quand je suis parti de là-haut, là, ici, j'avais jamais commencé la partie ici. J'ai commencé là, c'est un enfer. T'as des bêtes qui t'attaquent, mais des bêtes d'un gros niveau qui t'attaquent partout. T'as des groupes qui te démontent, et puis quand tu te fais démonter, toute cette zone-là, c'est gavé de vendeurs d'esclaves. Donc tu passes pas 5 secondes le temps de te remettre, que tout le monde te trappe et te fout en taule. Donc on a passé la moitié de notre temps à être en esclave, à s'échapper, etc. Bon, j'ai réussi à mettre pas trop mal, on avait un petit groupe de 14. On est arrivé là déjà, on s'est fait démonter par des bestioles par ici. On a fini tout le monde en prison, bah, tous ceux qui n'étaient pas morts, c'est-à-dire une dizaine. De là, on a réussi au bout d'un moment à s'échapper pour aller ici. On a reperdu encore des gars. Ici, le temps de se refaire un peu d'argent, de se refaire un peu de stuff, on a reperdu des gars. Donc sur les 14, il y en a 6 qui sont arrivés là. Et de ces 6 ces 6 là, quoi. 6 là qui sont arrivés. Bon, depuis, j'ai recruté un peu, on s'est refait, on a la base maintenant et tout. C'est une zone qui est plus facile à gérer que là où on était. Mais de 14, on est arrivé à 6, quoi. C'est un peu hostile. Allez.
ferme les portes. Les gars vont aller aux arbalètes et on va voir un petit peu donc le taf des arbalètes. Les animaux, par contre, j'aimerais bien que vous ne mettiez pas au combat. Ils sont tout jeunes encore, pas costauds. Allez vous cacher par là. On vous appellera plus tard, si on aura besoin. Ouais, donc lui, il s'est pris place à l'arbalète. Et tu vois, donc ils vont t'as droit à un petit discours toujours, machin, des mecs. Ça y est, ils attaquent. Tout le monde n'est pas encore en place. Hein. Je vous ai. Ah. Ça y est, lui va commencer à tirer. Les autres, vous êtes où les gars? Je vous ai pas demandé d'aller vous occuper des arbalètes. Le problème, c'est que je les ai pas. Attends. Je vais vérifier, je me suis pas trompé. Des tourelles. Tu reviens là. Le problème, c'est que j'ai pas viré tâche. Oh. Donc, du coup, ils sont restés à faire leurs petites affaires. Ou ils sont retournés faire leurs affaires. Dirt. Toi. Toi, tu viens ici, toi, tu vas arrêter tes petites affaires, tu vas venir ici aussi. Oui, pareil, bon, lui il va prendre cher, c'est le petit nouveau, il n'a pas de compétences, il n'a pas de stuff. Il va prendre sa verre. Tout ça, pareil, vous allez venir ici, vous deux ici aussi. Ok, allez, on se réunit. Vous voyez, déjà, il est en train de démonter la première porte. Mon gars, avec le truc, il a fait 114-1 dégâts. Avec les lance-harpons, les tourelles harpons. Ça, c'est dévastateur. Avec déjà, bon, s'ils étaient tous en place, déjà, ils auraient réussi à démonter un peu plus, les gars. Ils vont péter la porte, il n'y a rien à faire contre. Porte va tomber, ça, c'est une certitude. Il y a un troisième qui arrive, et quatrième. Vous voyez là, bon, ça tape bien déjà. On va peut-être aussi en démonter quelques-uns comme ça. Toi, Stone, t'es où? Tu n'as pas l'air de comprendre. Pas l'air de comprendre qu'il faut que tu ailles tourelle. Tu viens pas tourelle. La priorité c'est la tourelle. Ici. Toi, arrêtez de faire ta fête aussi. Ça a frité les gars, donc je vais vous ramener tous au cul. Parce que là, ça va être violent. Ils vont péter la deuxième porte, hein, ça c'est certain. Pendant ce temps-là, vous voyez, mes gars, ils leur font quand même un peu de dégâts grâce à la tourelle. Et là. Je sais même pas si on a encore des mercenaires, tiens, je pense à ça. Est-ce qu'on a encore des mercenaires? Ouais, on a encore les mercenaires. Donc ils vont bien nous aider. Donc très important qu'on avec la base, il faut que vous recrutiez vos mercenaires. Voilà, ça y est, on a nos 4 tireurs. Oh, ils ont pété là, ils ont foiré. Alors là, ils foncent directement à la bouffe. Pose pas de questions, ils vont à la bouffe. On va laisser là. Et vous allez aller à la bouffe. Et ils viennent piller. Saloperie, ils ont cassé le. On va voir. C'est toujours, ils sont toujours costauds parce qu'ils arrivent assez nombreux. Ils ont des stats pas mauvaises, un matos correct aussi. Bon, là on est en train de devenir plus costaud. La dernière fois on a encore perdu. Et là ça se passe.
encore payé la dernière fois, mais finalement ils sont morts de leurs blessures en étant dans la base. Donc on a pu piquer tout leur stuff et le vendre. Mais là ça se passe beaucoup mieux. Du coup, c'est encaissé, on va ouvrir. Bon, réparer le mur, c'est tout. Rien qui est tombé, mais ça va, rien de grave. Ça se passe. Ça s'est passé, tranquillou. Très très bien. Vont pouvoir les réparer tout ça. Magnifique. Ça roule. Jolie petite défense. Le chien dur, je sais pas ce qu'il va foutre là-haut. Il va retourner après le dirt machin. Les autres là. Alors, par contre, il faut aller fouiller les corps pour récupérer la bouffe parce que je suis sûr qu'ils ont plus rien là-dedans. Ouais, ils ont tout piqué. Donc il faut récupérer la bouffe dans les cadavres. Izumi, bien fouillé. Alors aussi, tout de suite, tirer les armes. Important. Parce qu'ils vont se relever, ils sont pas tous morts. Ça, vous allez pouvoir continuer à les combattre, hein, gentiment. Tiens, on va se faire du stuff pour les nouveaux. Mais quand ils vous taperont, du coup, beaucoup moins fort. Hein. Vous voyez, avec les arbalètes, elles ont quand même fonctionné, les tourelles. On a déjà calmé un certain nombre avant qu'ils rentrent. C'est assez efficace, les tourelles. Puis là, ils ont pété les murs. Au final, pour rentrer. Le temps qu'ils fassent leurs conneries. On revient là. Mais bon, les premiers combats, vous êtes obligé de perdre. Ah tiens, il se relève. Déjà, ça fait ça de moins avec des armes. Hein. Il y en a encore un qui est au truc. C'est bon, ça. Laisse la tourelle. Skinner. Non, vide les pages de celui-là. T'es à côté, t'énerve pas. Donc, vous voyez, lui, il est équipé avec du stuff qu'on a volé, quoi. Personne n'a été gravement blessé. En train de servir. Je peux pas choper le matos comme ça, c'est qu'ils sont en train de se lever. Hop. Kang. Où est celui-là? Je veux qu'on récupère la bouffe, les gars. Réparer, je pense qu'ici c'est pas mal. Celui-là il a encore ses armes donc on va pas fouiller. Là, il répare. Bon, faut qu'on trouve. Ah bah voilà, on a trouvé le voleur. Un sac qui permet de stacker. Faut pas récupérer tout d'un coup. Dernier, on confisque les armes. Boum. Il y en a encore d'autres, il de bouffe encore quelque part. Lui, il a encore ses armes. Plus de place. Toi, t'as quoi sur toi? T'es fou. Voyou. Pas de la place. Allez, hop, on pille celui-là aussi.
Et on ira vendre toutes ces petites lames. Ça ne vaut pas très cher, mais elles coûtent 500 balles par-ci, 500 balles par-là. Pas si mal. Manque encore de la bouffe. C'est quoi, ils sont à l'intérieur? Là, on n'a pas fouillé. Ah, bah voilà. Je pense qu'on va probablement tout récupérer en bouffe là. Oui, ça, il l'a foutu directement. Là. Là, je pense qu'on a quasiment tout. Lui, il a encore ses armes, non? Il n'y a pas de bloqué à l'intérieur. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. D'accord, toi, tu vas aller justement choper du matos. T'es cul nu. T'es pas quasiment. Ce serait bien aussi peut-être de te soigner, de faire mal comme ça. Mon petit kit de départ, c'est correct en soi. Ou mais mieux que merde qu'il avait. Quoi. Ça c'était pas trop mal encore, pas tempête de sable. Hop. Oui, toi t'as pas de stuff du tout. Et où là? Oh bah tiens, on a encore trouvé un pire. Parce que c'est le dernier. Les petites sandales, elles sont bien. Deuxième arme. Parce qu'elles apportent un bonus de vitesse de combat et d'athlétisme pour un peu plus vite. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, ça vaut pas grand chose, hein, mais c'est mieux que les locks qu'ils ont au début. Dirt, t'as quoi? Dirt aussi, je pense qu'on peut te équiper un peu mieux. Ça, les constructions sont vraiment pas solides hein, sur le jeu. On garde pour vendre ça. Ça pour mettre ça pour vendre. Ok. Les bêtes servent à peu servir à te défendre, mais bon là elles sont jeunes encore. Mais c'est les bêtes sont très costauds. Hein. Les grosses comme ça, les bêtes de somme, c'est dévastateur hein, quand ça apex. Et puis que c'est adulte, ça te fait des gros dégâts en foutant des bons coups de patte. Ça sert là, elle sert surtout aussi pour le transport. C'est vraiment un inventaire monstrueux. Tu peux mettre énormément de trucs. Si t'as beaucoup de trucs à les vendre, par exemple toutes les armes, là, si je récupère toutes les armes, tout le stuff, je peux le mettre là-dedans. Et je vais avec une des bêtes de somme dans un village vendre tout le matos. Ça évite de faire 50 voyages quoi. Donc c'est vachement bien. Les chiens, bah, ils tapent bien aussi. Hein. Alors tu peux mettre des sacs à dos aussi sur le chien, mais c'est plus des trucs de combat, de défense. Mais tous les animaux tapent bien, de toute façon. L'avantage de ça, c'est qu'en plus, ça a pas mal de points de vie. Et c'est une fois que s'entraîner, c'est violent. Là, pour le moment, je les ai attribués à suivre lui. Parce que comme il passe son temps à faire des allers-retours pour mettre le cuivre dans la boîte, j'ai fait exprès hein, de pas mettre la boîte à côté du gisement. Le but, c'est que les mecs ils s'entraînent à l'athlétisme. Donc, de faire des allers-retours, ils vont améliorer leur vitesse de déplacement, leur athlétisme. Là, 16, c'est pas terrible encore. Il a besoin par contre. J'ai dit aux animaux de le suivre pour qu'eux aussi, ils montent leur vitesse de déplacement.
Et là, vous voyez, il est 16, celui-là, alors qu'il était 5, 4 ou 5 quand je l'ai récupéré. Je les ai depuis pas longtemps du tout. Hein. Tout doucement, en faisant les allers-retours, ils s'entraînent. Voilà. Ils ont reconstruit le mur. Ça. Attends, c'est quand même des murs d'eux, hein, les gars. Abusé. Mais bon, vous voyez que ça a quand même pas trop mal marché, notre petite tour. Parfois, il faut qu'on t'attribue quelque chose à faire. Un petit peu, là, tiens, va entraîner ton athlétisme aussi. Gang. Pareil. Vont courir un peu, ça c'est les nouveaux. Eux ils sont pas, ils ont déjà des bonnes stats. Hein. Toi t'étais en train de t'entraîner bas. Vas-y. Donc ça permet de s'entraîner jusqu'au niveau 15. Hein. C'est les plus évolués des mannequins. Alors lui t'es blessé. Va te soigner. Puis tu reprendras l'entraînement après. Oui. Il est blessé aussi, donc pareil, allez vous entraîner, vous soigner. Donc les mecs, soit ils vont se relever, on va pouvoir leur retaper dessus, et donc se rentraîner un petit peu, soit ils vont crever, et, bah, on s'en débarrassera. Hein. On va réactiver d'ailleurs, on va remettre quelqu'un pour brûler les corps des morts. Tu fais pas grand-chose, hop. Tous les cadavres, tu les brûles. Après, quand t'as fini, bah tu vas retourner t'entraîner. Ça nettoie la base, ça évite que des bestioles viennent, prédateurs viennent. Même si techniquement, ça nous ferait de la viande. Alors, les armes, ça me donne quoi? Ah, il a tout fabriqué déjà? On va relancer les fabrications, les lames de. Les sabres du désert. De toute façon, il faut qu'ils nous en fassent plein, qu'ils s'entraînent aussi. Skinner. Alors, toujours Katounevin. Il n'a pas encore écrit. Là, il nous fait toujours de la merde là-dessus. Non, c'est censé faire du Katuna. Bon, alors, toi, t'as quoi déjà? Toi, c'est bon. Toi, viens chercher bonheur. Je retire ça. Ça, à la place, tu prends une meilleure lame. La lame, elle est pourrie. Hein. Deuxième. Alors pourquoi deux armes? Les grandes armes comme ça, si vous vous battez à l'intérieur, vous allez avoir un malus. Et en plus, c'est souvent des armes à deux mains. Donc si jamais ils ont un membre qui est blessé ou perdu, ils peuvent plus se battre. Donc il faut avoir une autre petite arme à côté pour pouvoir se battre à l'intérieur sans avoir de malus. Et si jamais il n'y a plus qu'un bras de valide, de pouvoir toujours utiliser. Là, au moins une arme. Donc c'est bien d'avoir deux armes, une grande et une petite. Alors c'est pas marqué que c'est une arme à deux mains, pas si c'est le cas, mais dans tous les cas, de toute façon, il y aura un malus à l'intérieur avec celle-ci, me semble. Alors, suivant. Ah, lui, là, il n'a même pas une grande. Bon, j'ai même pas besoin de le faire venir. Là, il a un choix, on va le virer, le choix. Ok, ça, il faut. Tout doucement, l'équipe me gave avec des meilleures. Celle-là, c'est un plan qu'on vient d'acheter. Elles sont bien, bien meilleures que toutes celles qu'on a quasiment.
Ah, c'est bon, t'es soigné, tu peux aller t'occuper maintenant. Et continue à se débarrasser des cadavres. De toute façon, il y en a toujours plein parce que il y a toujours du monde qui vient vous attaquer, que ce soit des pillards affamés, que ce soit des poussières, il y a toujours du monde qui vient friter la gueule. Et on peut regarder s'il y a un autre truc de prévu bientôt. Quand c'est des gros trucs, souvent vous êtes prévenu. Pas toujours. Là, par exemple, on n'avait pas été forcément prévenu d'attaque. Vous pouvez regarder de temps en temps, vous êtes quand même savez si un raid va arriver. Et les discours des fois sont assez rigolos. Hein. Ok, donc nos fermes tournent. Mon cactus et blé pour fabriquer. Des croque-poussières, c'est la meilleure bouffe, je pense, qu'on peut se faire dans des zones arides. Et un petit peu de chanvre, dans un premier temps, pour faire du tissu, pour ah, des armures, mais j'ai pas encore acheté de plan d'armure. Ça tourne. Là, il y a de la bouffe, c'est bien. Aussi un petit peu là. Là, on bouffe, on est bien mal. Tout ça, on est plutôt bien. Là, et le dial serait peut-être d'améliorer. Ouais, toi, c'est pas top ce que t'as. Est-ce qu'il y a un gars qui traîne ou ils étaient tous morts, ils ont tous été brûlés. Oh, il y a du matos des fois par terre, mais c'est des trucs de merde que j'ai jetés. Par contre, c'est des mercenaires, il va falloir les réengager bientôt. Est-ce qu'on peut prolonger le mandat avant qu'il se barre? Je sais pas ça par contre. C'est le capitaine. Bah écoute, on va essayer de parler. Est-ce qu'on peut parler? Non. On va attendre qu'il parte pour renouveler le mandat. Alors, mais 15. Donc 15, c'est le max qu'on peut faire. Ça sert à rien de laisser l'entraînement là-dessus. On va lui mettre, alors, mettre un peu à l'arbalète aussi. Pas 10, tu peux encore t'entraîner. Mais là, parmi les lobbies, ça devient pas mal aussi. Encore au niveau de la plupart. Mais déjà pas mal. Alors, Izumi, on va aller lui faire vendre ses armes-là. Elle a déjà toutes celles de la vente. Et bah, du coup, on va appeler. Voilà. Il est trop loin. On va le faire venir. On va dans un projet juste là, temporairement, dire de suivre Izumi. Il va se ramener. Rempli. On va aller vendre tout ça directement. Et à l'avant-poste qui est à côté. Donc c'est aussi ça, voilà, autrement elle aura dû faire plusieurs voyages. Là, avec la bête, elle va y aller. Ça lui fait un voyage de moins à faire. Parce qu'elle est limitée en inventaire. En plus, si c'est des gros trucs, elle peut en prendre encore moins que ça. Et lui, ça l'entraîne à la course. Le 34 en athlétisme, c'est déjà plutôt pas mal.
Donc c'est pas plus mal de vous installer pas trop loin d'une ville ou d'un avant-poste. Comme ça, vous pouvez facilement revendre ou acheter des trucs. Au début, vous allez avoir besoin de bouffe, hein, principalement. De bouffe, des matériaux pour construire si vous n'en avez pas. Comme ça, juste à côté, vous pouvez faire du business. Un petit peu tout, vendre production de bons, stuff que vous récupérez dont vous n'avez pas besoin. Ah, il a plus de sous. Acheter voilà, le nécessaire, des kits de soins si besoin. Pour aller finir de vendre. Ici. Voilà. Un petit peu de pognon. Pas une fortune parce que ça va être pas grand chose, mais. Aider toujours ça de prix. On rentre à la maison. Mais avant de faire ça, il faut les entraîner un petit peu, les bêtes d'athlétisme, parce qu'autrement ils vont se faire découper, parce que tout le monde va vouloir les bouffer. Hein. C'est de la viande sur pâte. Hein. Le moindre bandit famé qui va passer, ils vont sauter dessus, ils vont pour le tuer, pour le bouffer. Et on va le réattribuer. À dire comme les autres. Voilà, comme ça, il continue à faire ses petits allers-retours. Entre les autres de minage. Alors, il nous faut de l'argent pour payer les mercenaires. 8000 balles pour 8 jours. Fer, on n'a plus beaucoup de fer. On utilise beaucoup avec les deux machines. Il va faire un peu de fer. Et comme pour les armes, on a besoin de beaucoup de plaques. Faire aussi des barres d'acier, il faut des plaques. Oh ben les joues, on est plein d'acier. Ou tranquille. Là, il n'y a plus besoin. Continue de faire nos armes. T'as plus. T'as plus de plaques. Ok. Il est combien? Il est 33, mais t'as un malus. Pourquoi t'as un malus? Je sais pas que t'as un malus. Pourquoi t'as un malus? Blessure, eh ben écoute, tu vas te soigner. Attends. On veut que tu nous fasses des belles armes. Si t'es blessé, comment tu veux nous faire des super armes? Un peu débile cette affaire. On en est où là sur batterie? Elles sont pleines. On est bien en énergie là. Lui c'est le cuistot. Il va s'occuper des machines à pain, les cuisiniers. Quand il a rien à faire, vraiment, il est censé faire raffiner de l'acier. Et comme on a tout déjà en acier, il n'y a pas besoin. Il lui fait faire un petit peu. Il y a combien de places? Il y a 3 places. En attendant, il peut peut-être faire un petit peu de fer. C'est bon, c'est pas lui. Il y a deux skinners. Hop, tu peux aller retourner crafter maintenant. Voilà, 46. Ouais, il était à 33 avec ses blessures, maintenant il passe à 46. Forcément, plus de chances de faire une arme un peu potable. Et ça fait la différence. T'es pas censé t'entraîner à ça, toi?
13, c'est pas mal. Et donc une fois que vous avez, vos gars sont bien équipés, bien stuff, bah partez à l'aventure. Hein. Visitez les trucs inconnus, ces trucs-là, hein, les trucs inconnus, machin. Visitez le monde. Là, il y a plein de trucs partout à visiter. Hein. Ça n'apparaît pas encore parce que pour que ça apparaisse, il faut soit être passé à côté, soit acheter des cartes dans les marchands, dans les villes. Et ça vous découvre bah, les différents points. Parce qu'à la base, bah, vous avez juste le premier truc où vous apparaissez. Voir une paire de trucs tout autour, mais c'est tout. Tout ça, je l'ai débloqué principalement en achetant des plans. Les plans, vous les trouvez surtout en marchant avec l'icône un peu randonneur. L'endroit où vous achetez les sacs, ces trucs-là. Là que vous trouvez les cartes. Soit pour des cartes de ville, soit des cartes de laboratoire où vous pouvez potentiellement trouver des livres anciens, des choses comme ça. On est full en cuivre. Oui, on est full en cuivre, c'est pour ça qu'ils s'entraînent. Ouais, bah écoute, on va aller vendre du cuivre. Hein. Donc le cuivre, justement, ça c'est très très lourd. Donc important de d'avoir une bête. Ça reste quand même un des bons moyens de faire du pognon en cuivre. On était 2-3 mecs qui vendent du cuivre. Bon. Alors, le fait de le faire se balader avec du poids, ça va améliorer ses statistiques de force. Alors, il n'est pas très chargé, donc ça va pas le faire beaucoup bosser. Mais. Il prend un petit peu de force quand même, un petit quelques levels, quelques points. Ça, c'est pareil pour les gars. Tout lui vendre. C'est pas grave, on va les faire ici. Ça a passé, bah après vous allez dans les villes tout autour. Là on va au plus proche. Non. Et s'il n'y a plus de pognon. Enfin ils ont quand même facilement à 2, 30, 35 000 balles. Donc. Ça vous permet voilà de faire un peu de pognon quand même. Alors tant qu'on est ici. 5 heures. Soit on engage directement un nouveau mercenaire. Ouais, il faudra courir après. J'aime bien ceux qu'on a, ils sont quand même costauds là. Ils sont pas tous aussi forts les mercenaires. Allez hop, vu qu'il y a une tâche active, elle va rentrer toute seule à la maison. Voilà, on va aller faire ce qu'elle veut. La bête de somme, on pourrait le laisser parce qu'elle va faire des allers-retours pour le moment. Pourquoi pas le laisser? Donc elle va aller déposer le fer dans la boîte. Ouais, là, ça fait une petite distance à courir pour le truc, c'est pas mal. Il faut du blé. Hein. Il faut du blé pour acheter des livres, pour affronter des nouveaux plans. Il faut du blé pour acheter bah des, quand je dis des plans de construction, que ce soit pour les mannequins, les bâtiments, etc. Il faut du blé pour acheter des plans pour fabriquer des armes, pour fabriquer des armures. Il faut du blé.
La bouffe, si vous en produisez pas, il faut tout le temps de la bouffe. Du pain. Plus de fer, c'est ça? J'assume, non? Pourquoi tu travailles plus? Pourquoi tu travailles plus, Monsieur Stone? T'as l'air bloqué. Ça, c'est chiant. Des fois, les persos se bloquent. Bouge plus. Il est reparti. Bon, bah écoutez, on va se laisser là. La colonie a bien évolué et on continuera. On se demain. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon réveillon si vous faites un peu la fête. Et je vous remercie d'avoir assisté au stream et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bye bye.